Vous êtes très nombreux à avoir choisi Amen TV pour suivre votre émission Les Débats Congolais. Nous avons le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux un invité de marque avec lequel nous allons réfléchir autour d'un certain nombre de sujets d'actualité. D'abord, le déroulement de la campagne électorale à travers la République, mais aussi cette tenue hypothétique entre griffes des élections le 20 décembre. Nous parlerons aussi des attaques contre Félix Tshisekedi par les autres candidats à l'élection présidentielle. Sur ce plateau, nous recevons M. Charlie Tonsi. Il est membre de l'équipe de campagne du président Tshisekedi. Il est candidat député national dans la circonscription de Mont-Amba. Charlie Tonsi est le numéro 21, avocat de son état, conseiller à la présidence dans les collèges processus électoral. Politique et processus électoral. Charlie Tonsi, bienvenue dans cette émission. Merci à vous, monsieur le journaliste, et merci à tout le monde qui nous suit en ce moment. Merci surtout pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir échanger avec vous sur ces questions, notamment sur la campagne et sur l'avenir de notre pays. Alors, on a vu les médias internationaux, même les médias locaux aujourd'hui, parler de la tenue hypothétique des élections. Il avait été dit que l'Angola devrait venir en aide à la RDC avec sa flotte aérienne pour l'acheminement des matériels électoraux dans les différentes circonscriptions, sinon centres de vote. Et où en sommes-nous? Est-ce que aujourd'hui, pouvez-vous dire aux Congolais qu'il y aura élection le 20 décembre, même si vous n'êtes pas de la CENI? Merci beaucoup de préciser que je ne suis pas de la CENI, mais je crois que je suis congolais, je suis observateur. Mon candidat concourt à cette élection et moi-même je suis candidat comme m'avait présenté à Kinshasa. Donc, moi je ne pense pas réfléchir comme les autres. En ceci que les gens font campagne d'un côté et de l'autre côté ils disent qu'il n'y aura pas élection. Quand vous passez devant le siège de la CENI, ils ont mis là-bas un panneau qui indique le nombre de jours qui restent. Il n'y a que la CENI qui organise ces élections. La CENI elle-même vous dit que le mercredi 20 décembre il y aura élection. Mais les gens doutent. Mais les mêmes personnes qui doutent continuent à faire la campagne. Personne n'a arrêté. Tout le monde qui doute là est en campagne. Et aujourd'hui, sur le plan de la faisabilité, ce que la CENI a fait dernièrement en écrivant au président de la République, j'ai suivi beaucoup de journalistes, malheureusement, et d'autres personnes qui ont dit comment le président de la CENI peut-il écrire au président Tshisekedi, il fallait écrire au gouvernement. Mais c'est une question fondée, hein, cette question-là. Mais elle n'est pas fondée, d'abord, c'est de l'ignorance. Le président Félix Tshisekedi reste président en fonction jusqu'au 23 janvier. Tout en étant candidat. Mais bien sûr, il est candidat, mais il est président de la République en fonction. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui dirige le pays. Il a toutes ses prérogatives constitutionnelles. Mais absolument, il y a aucun... À l'aune de la Constitution. Mais il n'y a aucun texte. Le gouvernement n'expédie pas les affaires courantes. Je suis désolé pour certaines personnes qui réfléchissent de cette manière-là. Ah bon? Le gouvernement actuel tombera le 24 décembre, d'ailleurs c'est à partir du 24 janvier parce que c'est la date prévue pour la prestation de serment du nouveau président de la République. Au soir de cette prestation de serment, le gouvernement actuel va commencer à expédier les affaires courantes en attendant le gouvernement qui sera mis en place. Même les ministres qui sont en campagne aujourd'hui, ils sont en campagne, engager la République. Mais ils sont en campagne. Des actes la loi d'administration. Absolument. Comment ça? La loi leur dit de pouvoir ne pas utiliser les moyens de l'État pour battre campagne. Mais ils sont ministres de la République jusque à la sortie du gouvernement actuel. Ce gouvernement n'est pas encore sorti, bien que bon, les gens disent qu'ils ont touché les indemnités, mais ils ne peuvent pas partir. Les services publics vont fonctionner jusqu'au soir de la fin du mandat du président de la République, qui est de 5 ans. Ils vont expliquer. Attendez, oui. Le gouvernement tombe avec le changement du Premier ministre. Le gouvernement tombe avec la démission du Premier ministre. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien de tel. Le président de la République est candidat comme tous les autres. Et donc, il fait campagne, mais c'est pourquoi vous voyez d'ailleurs, par moment, le président, entre deux meetings, le président doit gérer les affaires de l'État.
Donc le président de la République reste en fonction. Et cela a été le cas avec le président Kabila jusqu'à ce qu'il est parti. Est-ce que vous avez quand même une base juridique pour soutenir ce que vous venez de dire ici, que le président a encore toutes ses prérogatives constitutionnelles de gérer la République et les gouvernements aussi? Vous avez une base juridique sur... Mais je ne sais pas quelle base juridique à part la Constitution. Ce que les gens disent là, ils le disent sur base de quoi? Le président de la République est candidat, mais le président de la République reste chef de l'État jusqu'à la passation de pouvoir à celui qui va le succéder. Mais pourquoi le 23 il ne reçoit pas, par exemple, les honneurs militaires partout où il va battre? Non, il va en campagne. Là, il ne part pas comme président de la République. Ah bon? Mais aujourd'hui, c'est... Mais il est aussi président de la République. Non, attendez. Ça, c'est ça la différence. Malheureusement, les gens ne comprennent pas. Là, il n'est pas en visite officielle. Il va comme candidat. Le président de la République, c'est une institution. Lorsqu'il se déplace, même aujourd'hui, s'il rentre à Calémy, là où il était la semaine passée, et s'il y va comme chef de l'État, il recevra les honneurs militaires comme le reçoivent tous les chefs de l'État. Quand il se déplace en campagne, il part comme tous les autres mais mandats. Mais pourquoi il est protégé par la garde républicaine? Parce qu'il va comme candidat, mais je vous il dis aurait que, pu laisser je de vous côté. Dis, c'est, le président de la République est en fonction jusqu'à la passation du pouvoir à celui qui va lui succéder s'il ne remplit pas. C'est ça la loi, malheureusement. C'est ça la loi, malheureusement. Même s'il va en campagne, au lieu qu'il ait 26 policiers comme les autres candidats, lui, quand même, à la garde républicaine. Mais c'est le chef de l'État en fonction, au nom de Dieu. C'est le chef de l'État en fonction. On n'a pas un autre chef de l'État pour le moment au Congo. C'est Tshisekedi dit jusqu'au 23 janvier. Si le 23 janvier, Félix Tshisekedi n'est pas réélu, quand il passe la main à l'autre, à ce moment-là, il n'est plus chef donc, de l'État. Donc ça veut dire que même s'il est candidat, partout où il va comme candidat, mais le fait qu'il est protégé par la garde républicaine, il combine les deux en fait. Mais c'est cela le problème. C'est lui le chef de l'État. C'est que la loi lui interdit. Parce que vous venez de dire ici que non, s'il ne reçoit pas les honneurs militaires, parce que là, il va comme candidat. Oui. Mais malgré ça, il est quand même protégé par la garde républicaine. Mais moi, ce qui m'étonne chez certains Congolais, ce n'est pas tous. Nous avons eu un chef de l'État sortant dans ce pays. Le président Joseph Kabila, qui est encore vivant. Mais le président Joseph Kabila, lorsqu'il arrivait à cette période, il cessait d'être président. Il avait même signé des ordonnances nommant les ambassadeurs. Les magistrats, même pendant la campagne électorale, il était à Kindu, il l'a nommé. Et alors, pourquoi aujourd'hui... Il y avait quand même un tollé à l'époque, hein, non, les gens qui contestaient non, cela. Non, ça c'est par rapport, c'est par éthique. Parce qu'on peut considérer ça comme des nominations politiques. Vous comprenez? Mais si c'est par besoin de nécessité, si c'est par besoin de nécessité, le président est là, le premier ministre dirige les réunions du gouvernement. Donc Samalou Kondé, tel qu'il est là avec tous les ministres, ils peuvent signer des arrêtés pour nommer les gens engagés. C'est le premier ministre en fonction, monsieur le journaliste, c'est le premier ministre en fonction, il n'a pas démissionné, il n'est pas démissionnaire. Je le dis, s'il y a quelqu'un d'autre, je ne sais pas, un juriste ou quelqu'un d'autre qui peut venir me contredire, qu'il vienne sur ce plateau. Le premier ministre reste là, il gouverne jusqu'à la fin. Si le chef de l'État le démet ou... par une motion ou lui-même démissionne de son propre chef, à ce moment-là, le gouvernement qu'il dirige tombe et expédie les affaires courantes jusqu'à l'entrée du nouveau Premier ministre. Mais alors qu'il est encore là, c'est lui le Premier ministre. Alors, pourquoi Kadima? Est-ce que Kadima Tshisekedi étant candidat à la présidentielle, Kadima devrait-il écrire au chef de l'État ou bien au Premier ministre, si le Premier ministre joue encore de toutes ces prérogatives? Une très bonne question, monsieur le journaliste. Le chef de l'État est le seul, au terme de la loi qui organise l'armée, qui peut réquisitionner la logistique de l'armée. C'est le seul de l'État, le chef de l'État seul, parce que c'est lui qui préside le Conseil supérieur de la défense. Donc, si on veut avoir la logistique de l'armée, on doit demander au chef de l'État. Il n'y a que lui seul qui peut autoriser cela. Et le président de la CENI... Pas le chef d'état-major général? Non, le chef d'état-major général n'est pas au-dessus du chef de l'État. C'est le président qui autorise et le chef d'état-major général exécute. Okay. Et c'est à ce titre-là que la CENI a écrit au président de la République, qui est le garant de la nation, du bon fonctionnement des institutions. C'est le président encore en fonction. Et il n'y a que lui qui peut autoriser l'usage de la logistique de l'armée. Ce n'est pas le premier ministre. Vous comprenez? Mais est-ce que la CENI avait demandé la logistique de non, c'est-à-dire quand il écrivait, il sait qu'aujourd'hui, il n'y a que le président qui peut demander.
par exemple, au gouvernement de chercher à trouver des... Il a demandé des Antonov, il a demandé des hélicoptères. Si l'armée ici en a, c'est au président de demander au ministre de la Défense, à travers le chef d'état-major général de l'armée, de mettre cette logistique à la disposition de la CENI. À l'époque, le président Joseph Kabila l'avait fait en prenant des véhicules Kamaz de l'armée et en les mettant à la disposition de la CENI. Une centaine d'ailleurs. C'est ce qui est en train d'être fait. C'est la logistique de l'armée dans toutes les régions militaires du pays qui est en train de déployer le matériel dans les sites de vote. Non, mais nous avons tous appris que l'ambassadeur de la RDC à l'ONU a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU pour que la MONUSCO puisse mettre... Exactement, monsieur le journaliste, excusez-moi de vous interrompre. C'est une pratique qui est devenue courante. En 2006, les élections ont été totalement prises en charge par la communauté internationale à travers les Nations Unies, dont le pneu de l'un de démembrement. Mais en 2018, en 2011, en 2018, mais qui oublie que, par exemple aujourd'hui, dans la région de Beni Boutembo, la région où il y a des conflits armés là, ce sont les hélicoptères de la MONUSCO, c'est tout ça qui déploie les kits. Même les kits d'enrôlement. Dans ces zones-là, nous avons, le gouvernement a bénéficié en faveur de la CENI, de l'appui de la logistique de la MONUSCO. Et la MONUSCO, c'est les Nations Unies. Et notre ambassadeur aux Nations Unies saisit formellement. C'est une question de formalité pour se conformer à cela. Mais la MONUSCO l'a toujours fait et le fait. Je ne sais pas pourquoi les gens trouvent ça nouveau aujourd'hui alors que c'est ce qui a toujours été fait. Est-ce que cela ne démontre pas qu'il y a anguille sous roche, que toutes ces demandes-là, on avait parlé de l'Angola, aujourd'hui c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que ça ne démontre pas qu'il y a un vrai problème qui se pose et que la tenue des élections est hypothétique le 20 décembre? Monsieur le journaliste, avant que je ne monte sur ce plateau, toutes les informations à ma possession disaient que la logistique était déployée à plus de 95%. Ah bon? Nous sommes à 6 jours des élections. La pratique, c'est quoi? D'abord, ce que les Congolais doivent savoir, je l'ai dit dans d'autres médias, les matériels sensibles, on ne les déploie pas plusieurs semaines avant les élections. Tout à fait. Ces matériels sensibles, c'est quoi? Ce sont des bulletins de vote, ce sont les procès-verbaux. Parce que dans une élection, l'élément clé, c'est l'élément confiance. Si l'adversaire sait que la CENI a déployé les bulletins de vote un mois, deux mois avant, d'abord, ce qui est difficile, parce que, par exemple, les procès-verbaux. Dans le procès-verbaux, il est repris les noms des candidats à la présidentielle, à la députation nationale, à la députation provinciale et même comme des conseillers communaux aujourd'hui. C'est une centaine de candidats que la CENI gère. C'est que les autres CENI n'ont pas géré par le passé. Alors, comment vous pouvez déjà élaborer ces documents pendant que vous n'avez pas encore le nom de tous ces mondes-là? Voilà déjà un problème. Deuxième chose, mais si aujourd'hui, on avait déployé 5 mois avant cette logistique, mais qui allait croire encore aux élections? Parce que les gens diront, non, les PV sont là, on a déjà rempli en avance tout ce que vous faites là. Parce que ce sont les procès-verbaux qui font foi de ce qui s'est fait dans les bureaux de vote. Voilà pourquoi. Peut-être que c'est quelque chose qu'il faut changer dans l'avenir, mais aujourd'hui, dans la pratique électorale que nous avons, les matériels sensibles sont toujours déployés en dernier moment. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est fait? Il y a la CENI, sur le plan opérationnel, a ce qu'on appelle les UPS. Les UPS, généralement, ce sont les points les plus accessibles par avion ou par bateau, si vous voulez. Quand les grandes les cargaisons arrivent, par exemple, à Goma, Goma est considéré comme une UPS. L'UPS de Goma reçoit tout le matériel qui va d'abord pour la partie est. Ça peut être stocké à Goma pendant plusieurs jours. Et après, à partir de Goma, ça va commencer à partir pour les CEP, c'est-à-dire les secrétariats exécutifs de la CENI, qui sont dans chaque province du pays. Et de là, ça va commencer à redescendre au niveau des antennes, mais beaucoup plus des sites de vote. Vous comprenez? Et c'est ce cheminement-là. Mais le matériel arrive dans le bureau de vote à la veille de l'élection. Parce qu'on ne peut pas mettre... Mais dans un pays comme le nôtre, vous pensez vraiment que c'est la raison. Déploiement-là se fera... Mais ça, déjà, ça veut déjà que la CENI vous dit... Pour que l'élection soit organisée le 20. Monsieur le journaliste, la CENI vous a dit que dans des zones à accès difficile, Maïndombe, la partie Équateur, dans la partie province orientale, Ituri, ce travail a déjà été fait depuis longtemps.
Le matériel que vous avez vu venir ici, c'était pour des zones comme le Congo central, la ville de Kinshasa et probablement le Kwango ici. Où, en un jour, on peut déployer avec un hélicoptère. Ça transporte ici, ça va déposer à Fechi, ça dépose à Massimanimba, ça dépose à tel. Et à partir de là, même en moto, on peut prendre les dispositifs électroniques de vote pour aller les déposer ainsi de suite dans les sites de vote. Et les sites de vote vont maintenant les déployer vers le centre de vote. Le centre de vote, à leur tour, les mettront à la disposition des bureaux de vote la veille, ça veut dire le mardi. Alors, maintenant, quand les gens disent « Non, parce qu'on a écrit, on écrit aux Nations Unies pour pure forme. » Mais la MONUSCO a, dans son organisation actuelle, une division chargée des élections. La division électorale de la MONUSCO. Mais on a dit que la MONUSCO ne pourrait s'occuper que des provinces. Hein, et pas, mais pas c'est cela. Sur l'ensemble de mais la parce République. Que la MONUSCO, actuellement, dans sa configuration, a déjà replié tout ce qu'elle avait comme moyen dans l'est du pays. À l'ouest, ici, par exemple, on a plus besoin, vous ne trouverez plus aucun élément de la MONUSCO à Kananga ou dans les Grands Banous. Ok, alors, autre question, c'est le déroulement de la campagne électorale. Tshisekedi rejeté par la population congolaise partout où il va. Ça, c'est Moïse Katumbi qui l'a affirmé aujourd'hui sur RFI. Bon, je ne sais pas, et ça peut même faire rire le petit bébé, hein. Quand on entend un candidat à la peine qui raconte des histoires comme ce que j'ai écouté ce matin sur la radio France Internationale, Tshisekedi rejeté. Contrairement à lui, dont un groupe de journalistes monte déjà les images avant qu'il n'arrive dans une ville pour les montrer. Lui, c'est seulement dans les réseaux sociaux. Ah bon? Mais Tshisekedi, ses meetings passent en direct à la télévision. En direct à la télévision. Et dans les réseaux sociaux aussi, hein? Oui, mais bon, moi, nous voulons d'abord à la télévision en direct. Ce n'est pas des photos filmées par des journalistes. On a vu ici ce qu'il a fait en Chili. Comme me disait un journaliste, c'est TV, ça, Radio T. Vous tous, vous étiez là-bas. On a vu quelques messieurs là, qui étaient là autour de lui. Et il dit, on a rempli le stade. On lui a laissé le stade de martyr vide. Pourquoi il n'a pas fait son stade de martyr? Il dit, tu sais qu'il est rejeté par la population parce que la population souffre. Monsieur, moi je pense que le président Tshisekedi aujourd'hui, tout le monde sait que Tshisekedi, Katumbi a été dans le Congo central. Il n'a fait des meetings qu'à Boma, à Matadi aussi. Il y avait beaucoup de monde là-bas. On avait à Kimpese, à Matadi, il est passé. Il a fait ses meetings où il faut poser la question. Il a fait où, à Matadi? Oui, là où il a tenu son meeting à Matadi. C'était où? C'est à moi de vous poser la question. Non, mais il fallait qu'il aille au stade Damar. Il fallait qu'il aille au stade Damar. Est-ce que Tshisekedi était allé au stade à Matadi? Oui. Il avait rempli le stade? Papa, Tshisekedi n'a plus besoin de démontrer qu'il est rempli le stade. Parce que partout Tshisekedi est passé. Non, mais c'est aussi ça, les baromètres. Non, hein. Mais mon cher ami, regardez. Tshisekedi, partout il est passé, vous voyez les images. Avant le combat, c'était quoi? Tshisekedi, on ne voit même pas sa campagne, ainsi de suite. Maintenant, c'est une affaire. Les gens font des meetings, par exemple à Boma. Katumbi fait ce meeting sur une rue. Mais parce qu'on avait refusé à ce qu'il aille au stade pour faire le meeting. Mais le président Tshisekedi n'a pas fait le meeting au stade Sokol. Il n'y a qu'un seul stade dans la ville de Boma, c'est le stade Sokol. Ce stade-là, il est dans un état d'abandon. Et vous avez vu... Non, mais si lui a voulu tenir le meeting là-bas, pourquoi l'empêcher de tenir? Non, dans la boue, à interdire. Le maire a dit qu'il montrait la lettre qu'il a écrite pour demander le stade. On a dit qu'on avait improvisé un match dans ce stade-là. Mais comment jouerait le match? Ce stade-là n'est pas viable. C'est aujourd'hui un champ de patates. Allez-y vérifier. Champ de patates? Posez la question aux gens qui sont à Boma, ils vont vous le dire. Et d'ailleurs, quand le président Tshisekedi arrive à Boma, parmi les revendications des jeunes de Boma, c'était le stade de Sokol. La réhabilitation du stade? Mais bien sûr. Parce que leur stade-là, c'est dans une zone marécageuse, ainsi de suite. Et surtout, en ce moment où il pleut, vous allez faire le meeting dedans. Il y a beaucoup d'eau là-bas maintenant, là. Mon frère, c'est-à-dire, vous savez, les gens, quand vous venez, vous êtes devant 50 personnes, comme ils ont fait à Iziro, la raison, c'est quoi? Non, on nous a empêchés, mais il y avait un terrain à Iziro, ils ont préféré aller sur une rue. À Iziro? Ah, mon cher ami. On a vu les images, quand mais même. Mais on connaît tout ça, papa. C'est pas innombrable. C'est Iziro, pas dans une télévision comme ça, là, que moi, je veux dire des histoires comme ça. Vous savez vous-même. Vous savez. Nous ne sommes pas en train de faire le combat de plein. Tout le monde voit. Le président Tshisekedi, quand il arrive, dans eux-là, il va dans une province, il ne fait le meeting que dans le chef-lieu.
Mais le président Tshisekedi. Non, mais on l'a vu à Boutembo, Beni, tout ça, ce ne sont pas des chefs liés. Hein. Mais le président Tshisekedi a fait tout ça. Et vous avez vu la population. Vous avez vu. Katumbi était aussi à Idiofa, dans les. Mais le président Tshisekedi vient, il fait Ilebo, il fait Idiofa. Il n'a pas fait Ilebo. Hein, mais il sera demain à Ilebo, je le confirme. Il sera demain à Ilebo. Il va faire Ilebo, il fait Idiofa, et puis il va venir à Kikwit, il va faire Bulungu, il fait Massimani, mais pour Kenge. Katumbi dire qu'il a été rallié par des hommes valables qui étaient aussi des candidats présidents. Ils se sont alliés à lui et ils ont gonflé les rangs de Katumbi. Mais est-ce que c'est les gars aussi non. avec Tshisekedi? Vous non, pensez attendez. Qu'il y a aussi des poids lourds qui se déploient sur le terrain pour Tshisekedi, comme c'est le cas pour Katumbi aujourd'hui? Monsieur le journaliste, quand vous prenez les gens qui ont rallié M. Katumbi, vous avez le premier, c'est M. Diongo, qui peine à être élu député national ici à Lukunga. Qui peine? Mais vous n'allez qu'à vérifier. Vous n'avez qu'à vérifier. Mais ce Diongo peut mobiliser quoi pour un candidat président de la République? Il va mobiliser quoi? Les Kinois qui suivent ici, qui vivent ça, chez lui, peut-être chez lui à Kamunganga là-bas, vers DGC où il habite, il a les gens qui sont Ozone. Là-bas. À Ozone là-bas. Et à part là-bas, monsieur Franck Diongo peut donner un mot d'ordre où? Son parti à qui comme membre dans la ville ici? Le parti de M. Diongo. Vous êtes en train de minimiser Franck Diongo? Non, je ne le minimise pas, je dis, parce que ce sont là les candidats qui l'ont rallié. Quand vous prenez un monsieur comme Seth Kikuni n'a pas de parti politique connu, n'a même pas une vie politique connue. On l'a vu surgir en 2018 comme candidat président de la République. Les gens disent qu'il tient un magasin de vente d'habits au Grand Marché. Mais c'est ça un candidat qui va vous amener la population? Il va voir ça où? Aujourd'hui, si monsieur Kikuni est candidat, par exemple, à Lukunga, est-ce qu'il est même capable de se faire élire député provincial à Lukunga ou à Ngaliema? Ah bon? Mais monsieur, je ne sais pas si les gens jouent avec les élections. Si les gens jouent avec les élections, monsieur Kikuni peut-il être élu conseiller municipal? C'est parce que la circonscription, c'est même une commune. Je ne sais pas s'il peut même se faire élire conseiller municipal. Je ne sais pas. Mais c'est ça que vous prenez, vous dites c'est lui qui est un candidat valable. Non, mais vous avez les Matata Ponyo, les délices Sanga. S'il vous plaît. Vous avez des gens. Matata Ponyo a déjà été élu dans une élection directe. Où et quand? Où et quand? Depuis que nous avons des élections pluralistes dans ce pays, vous avez déjà entendu Matata être élu? Il a été élu sénateur par 4 députés ou 3 députés provinciaux dans une salle. Monsieur, il ne faut pas jouer avec les élections. Vous minimisez même le poids politique de Matata Ponyo dans ce pays et aussi même au Maniema? Monsieur le journaliste, non, je ne minimise pas Monsieur Matata, c'est un leader du Maniema. Parce qu'il a été là-bas, il a construit une université dans son pays, dans sa ville, ainsi de suite, quand il était Premier ministre. Mais dire de M. Matata que c'est un candidat valable, bon, à part le Maniema ne pèse que 1% de l'électorat. 1%. 1%. Qu'est-ce que ça représente? Diongo n'a pas de base. Kikuni n'a pas de base. Je ne sais pas. M. Délice Sanga est toujours élu à Luisa. Or, Luisa. Une grande partie de Luisa, c'est l'électorat naturel de Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il va donner à ses sangs, à Katumbi? D'ailleurs, lui-même en 2018, alors qu'il était dans la Mouka, pour gagner, il a dû battre campagne pour Félix Tshisekedi alors qu'il ne le soutenait pas. C'est aujourd'hui qu'il va amener un électorat pour Tshisekedi. Pour Katumbi. Mais vous avez vu les plaintes que Sesanga a fait à Kananga lors de sa récente. Oui, ce n'est pas un problème, mais le problème, c'est le report de voix. Sesanga peut être accueilli par ses frères qui sont à Kananga et tout. Mais est-ce que ces gens-là sont prêts à voter pour quelqu'un d'autre? C'est cela la question qu'il faut se poser. C'est ça le problème. Mais le président Tshisekedi a derrière lui toute une machine qui broie. Une machine? Mais papa, quand vous voyez Bemba sillonner le pays ici, hein, il est allé à Arou, il est allé partout. J'ai vu des images. Hein, quand vous avez les gens Lucien Boussa dans la partie équateur, quand vous avez les Molendo Sakombi, vous avez le ministre Liao, vous avez au sud qui vous la bat de poids lourd comme les Bitakuira, les ministres. J'ai vu des images de Boutembo, c'est incroyable. Hein. Alors, vous avez de telles personnes qui viennent vous soutenir. Vraiment, vous pouvez vous dire qu'il y a encore match à jouer.
Et vous pensez que la population congolaise est bête comme chou pour facilement accepter les consignes de vote une fois leur donné par ces leaders-là? Oui, mais parce que ces gens ont pignon sur rue. Oui. Donc la population elle-même ne peut pas réfléchir Katumbi au regard a pas du bilan. Regardé. Elle va suivre vous savez, aveuglément la mobilisation, ce que les leaders vont dire. La mobilisation, on l'a vu sur le stade Saint-Thérèse. La veille, les médias ont au terrain Saint-Thérèse, là, on a commencé à distribuer les Thompson, à manger, venez acheter. Et puis, les gens ont pris, ils ne sont pas venus. Allez poser la question à Angile. Ah bon? Katumbi avait distribué les Thompson là-bas? Mais nous, les communiqués sont là dans les réseaux sociaux, lisez. Non, il a mis à la disposition des gens de Tchango là-bas à manger. Et les gens, bon, ceux qui pouvaient prendre, ils ont pris, mais ils ont dit, mais pourquoi ils nous donnent seulement maintenant? D'ailleurs, en réalité, ça, ce n'est pas un combat pour nous. Katumbi a dit que la gratuité de l'enseignement de base n'existe pas. J'insiste bien sur le verbe, n'existe pas. Un enseignant est payé aujourd'hui 85 $, il paye les loyers de 80 $. 80 $, hein? Et il ne reste que 5 $. Et par conséquent, la gratuité n'existe pas. Voilà la raison. Moi, je pense que notre. Et les enfants sont chassés de l'école par non, notre frère. Il s'est promené à travers d'abord, la République. Notre. Les enfants sont chassés de l'école. J'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est un candidat président de la République. Il a été gouverneur dans ce pays et il a un parti politique. Et puis il a la capacité aussi hein, de racheter des partis politiques comme des joueurs qu'il aligne. Lui fait le recrutement. C'est un monsieur à respecter parce que quand vous prenez des gens comme des Kamitatou qui était un président de l'Assemblée nationale et vous faites de lui votre secrétaire particulier. Vous voyez, c'est un monsieur. Directeur de cabinet. Bon, c'est son parsec qui. Je ne sais pas s'il est maintenant directeur de cabinet. Mais au moins, quand vous avez ce monsieur-là qui peut racheter des partis, vous voyez, ARC, ce n'était pas n'importe quel parti. Tout à fait. Dans l'espace Grand Bandundu, ARC était devenu un parti qui rivalisait avec le Palou. Tout à fait. Mais aujourd'hui, monsieur Kamitatou a été racheté comme un joueur qui était à Barcelone et demain, il va à Real. Donc, ce monsieur-là, il faut le respecter. Mais malheureusement, il y a des informations qu'on ne lui a pas données. D'abord, la gratuité, ce n'est pas le salaire des enseignants, ni la salle où se donne le cours. La gratuité veut dire l'État prend en charge le frais que l'enfant aurait dû payer pour aller à l'école. Et la gratuité n'est pas une invention du président Tshisekedi. La gratuité, c'est une recommandation de l'UNESCO qui a constaté que, quand on élaborait la constitution, le président Tshisekedi n'était pas là. Les pères qui étaient à Sun City, à la suite de l'UNESCO, avaient compris que le Congo démocratique était parmi des pays où le taux d'alphabétisation était très faible. Et quelle était la conséquence? Quelle était la cause? Un, la déperdition scolaire. C'est-à-dire, beaucoup d'enfants qui commençaient l'école en septembre ne finissaient même pas le premier trimestre parce qu'ils étaient mis dehors. La non-prise en charge par l'État des frais de fonctionnement des écoles. Et cette situation est restée comme telle. Parce que les gens qui ont des écoles privées, qui fonctionnent comme ça, avaient trouvé un commerce à faire sur le dos de nos enfants. Quand Tshisekedi vient, Tshisekedi dit, je vous dis, M. Katumbi peut dire ce qu'il dit là. Mais vous voyez, il dit, je veux mettre 5 millions, comme s'il mettrait 1 milliard. 5 comme milliards. S'il prendra ça dans son commerce pour mettre dedans. Or, ça viendra de l'État, de la caisse de l'État. Mais lorsqu'il arrivera aux affaires, il comprend avec tout ce qu'il y a comme exigence qu'il n'y a pas 5 milliards à mettre, comme il lui dit là. Il se rendra compte qu'on peut toujours dire des choses et ne pas les réaliser. Mais nous, au moins, nous avons le pragmatisme parce que nous avons vu l'exercice que nous avons eu à faire depuis 2019. Donc, le président Tshisekedi, comme socialiste, le président Tshisekedi est socialiste. Katumbi, c'est un libéral, donc c'est un capitaliste. Katumbi, c'est l'argent. C'est-à-dire que pour Katumbi, vendre tout ce qu'il peut vendre dans la rue, même la ferraille, l'essentiel pour lui, c'est d'avoir de l'argent. Mais le président Tshisekedi, c'est pas ça. Tshisekedi, je m'excuse, monsieur. Tout à fait. Alors, le président Tshisekedi, son cœur bat à gauche. C'est-à-dire, le sort de l'homme, c'est ça sa préoccupation. Tshisekedi arrive. Il dit, dans le monde où on avait instauré, qu'ils ne peuvent étudier que les enfants des riches. Tshisekedi dit non. Mettons la disposition constitutionnelle qui rend l'enseignement de base obligatoire une réalité. Non, mais c'était déjà dans la Constitution. C'est dans la Constitution, voilà. Mais les autres n'appliquaient pas. Le président Tshisekedi est venu. D'ailleurs, la première année, on est parti jusqu'au niveau de CO.
ce qu'on appelait huitième. Oui, oui. Vous comprenez? Oui. On est allé jusqu'en huitième. Mais les ennemis de la gratuité qui se récoltent parmi les libéraux, parce qu'aujourd'hui, il y a même des confessions. On avait même l'église catholique hein, qui oui, avait, mais parce y avait que une l'église catholique, incroyable. L'église catholique a des écoles, au-delà des écoles conventionnelles, ils ont aussi des écoles privées. S'il y a aujourd'hui la gratuité totale, mais leurs écoles-là, les enfants ne vont plus les fréquenter. Vous comprenez? Ce qu'il faut d'abord enlever dans la tête des gens, c'est d'associer la gratuité avec les salaires des enseignants. Non, ça, ce n'est qu'une conséquence. Le président Tshisekedi dit, l'enseignant ne touche pas 217 000 francs congolais. Non, c'est faux. L'enseignant aujourd'hui est autour de 450 000. Je sais que ça ne représente rien. Non, mais Katumbi parle de 245 000 c'est francs. C'est pourquoi 247 je vous dis... 000 francs congolais. Non, non. Il est encore à l'époque qu'il était gouverneur. Il a ces chiffres-là. C'est pourquoi moi je dis, quand vous voyez M. Katumbi, M. Matata, ce sont des gens qui ont gouverné pendant tous les 17 ans de Kabila. Donc l'enseignant donc, aujourd'hui, vous confirmez tous, c'est plus de 450 000 francs. En tout cas, l'enseignant est autour de 450 000 d'après ce que le ministère de l'EPST a démontré. Mais est-ce que ça représente quelque chose? Je dis non, parce qu'aujourd'hui, la dépréciation de la monnaie a rendu difficile la vie à tout le monde. Et il y a des raisons évidentes qui expliquent la dépréciation de la monnaie. Ce n'est pas comme lui le dit là, hey Angeli, dollar et kitty, le dollar ne va pas baisser parce que monsieur vient, il tape sur un bois, il dit le dollar. J'ai donné un exemple hier. Aujourd'hui, nous, quand on arrive en 2017, on a trouvé, en 2018, d'abord, nous ne sommes pas arrivés en 2018, comme lui l'a dit, nous sommes arrivés en 2019. Lorsqu'on arrive à cette période-là, on a trouvé le dollar, il était à combien? À combien? Il était à 16-17. Parce que le premier ministre Matata Tampono qui est là, il peut dire à combien Mouzito lui a laissé le dollar. C'est en 92 francs congolais, 93. Mais lui, il a laissé à 16 000 à Badibanga. Ah bon, comme s'il n'y avait pas fluctuation du taux, comment c'est parti de 93 à 16, à 160? C'est qu'il y a eu dépréciation. C'est qu'il y a eu dépréciation. Et le premier ministre qui venait avant lui, le Mutagizenga a laissé en 52. Mais Mouzito est parti avec, malgré tous les efforts, il a laissé en 92 ou 93 à Matata. Ça veut dire qu'il y a toujours eu la dépréciation. Donc, c'est que les gens ne peuvent pas penser que c'est le fait de Tshisekedi qui se réveille un matin, il dit, allez, dollar Mata, dollar et Mati. Il y a des causes que nous, au Congo, nous ne pouvons pas maîtriser. Ce sont des causes exogènes qui influent sur le taux d'échange. Vous comprenez? Si vous voulez un débat sur ça, nous le ferons avec les gens de leur camp qui viennent. Mais au moins, le dollar, ce n'est pas la volonté du président Tshisekedi. Moi, par exemple, aujourd'hui, carburant qui tire, et il dit ça, c'est un populiste. Parce que le carburant, quand nous on arrive, en 2019, le baril était à 70 000 dollars. À 70 dollars, le baril. 70 dollars. Aujourd'hui, c'est 250 dollars, le baril. Alors, comment le prix de l'essence à la pompe pourrait-il rester le même? Alors que le Congo ne produit pas l'essence, le carburant. Le carburant est importé de l'extérieur vers le Congo. Et les gens qui achètent et qui viennent revendre disent, nous ne pouvons pas vendre, par exemple, ils se réveillent le matin, ils disent, nous ne pouvons plus vendre à 2000 francs parce que l'État subventionne, sinon on serait à 5000 même, le litre. En Europe, là, demandez à M. Katumbi qui voyage, un litre d'essence coûte combien à Paris? C'est plus cher qu'ici, hein? Mais ben comment? Et quand quelqu'un vient, comme tout populiste, il dit, non, moi quand je vais venir, je vais réduire. Il ne dit pas, je vais produire les produits pétroliers ici. Mais il va réduire comment? Il est beaucoup plus subventionné pour que ça baisse le prix. Non, il va subventionner avec quel argent? D'ailleurs, l'État est même sur le point d'abandonner la subvention là. Parce que c'est ça qui coûte très cher. Les produits pétroliers influent sérieusement sur le taux d'échange. Parce qu'ils doivent acheter à l'extérieur. Ils vendent ici dans nos pompes, ici, ils vendent en francs congolais. Le temps de trouver les dollars et racheter. C'est ça qui amène même le produit manufacturé, même les produits agricoles qui viennent de Bukangalonzo, de Kenge ici. Le prix tient compte aussi de ce que les transporteurs mettent. Alors, on est en train de souffrir sérieusement parce que nous avons une offre que nous voulons présenter. Nous voulons commencer d'abord à produire localement certaines choses. Si le maïs est produit ici, Katumbi était. Mais le maïs est produit ici? Non. Le maïs qui est produit ici, pour qu'il arrive à Kinshasa, il met de mois et de mois parce qu'il n'y a pas de route. Que M. Katumbi et tout le régime qu'il a eu à servir pendant plus de 15 ans. Est-ce que vous avez suivi Katumbi aussi faire des propositions sur
l'aménagement des routes de cette agriculture. Non, lui, il va construire des stades. Je sais, partout où il est passé, il promet seulement des stades. Moi, j'ai toujours dit, ce monsieur-là, si le président a été élu, c'est mieux qu'on le nomme soit président de la FECOFA ou ministre des Sports. Parce qu'apparemment, il est très intéressé par les sports parce qu'il dirige un très grand club. La gratuité n'existe pas. Brièvement, je voulais monsieur, répondre quoi à monsieur ça le journaliste, je vous ai dit que c'est une information qu'il n'a pas. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, Félix Tshisekedi vous dit ceci. La gratuité, ce n'est pas quelque chose à transiger. C'est une obligation parce que c'est une disposition impérative de la Constitution. Et comme nous sommes déjà, nous avons une bonne lancée en ce qui concerne l'école primaire, qui a donné à la possibilité à plus de 5 millions d'enfants de regagner les circuits scolaires. La conséquence, c'est qu'il y a eu un boom, comme on a connu ça d'ailleurs au Burundi. Et voilà, le président a mis en place le projet 145 territoires pour construire des écoles afin de résorber tous ces enfants-là qui viennent réintégrer le système scolaire. Mais maintenant, en ce qui concerne la qualité, c'est là le vrai débat aussi. On y travaille. On a, le président a dit 2024-2028, nous devons former les inspecteurs, faire la capacitation des enseignants. Ce n'est plus n'importe qui sera enseignant. Il faut que ce soit les gens bien formés. Il y a des gens qui ont 70 ans, déjà fatigués, mais qui continuent à exercer comme enseignants. On mettra tous ces gens à la retraite. Mais aujourd'hui, les enseignants, ils sont éligibles à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Le magistrat, le médecin, ça c'est Tshisekedi. Même le frais funéraire de professeur d'université, aujourd'hui c'est couvert par l'État. C'est le président Tshisekedi. C'est ça le socialiste. C'est pas un commerçant qui va commencer à dire non, chacun va vivre comme il veut. Comme le prof Labana qui vient de mourir là. Mais je vous dis, quand vous recevrez un professeur d'université ici, posez-lui la question. Allez ici, vous avez vu, j'ai vu des magistrats, j'étais ici au parquet général, j'ai vu des magistrats là-bas en train de s'inscrire dans le programme de CENSAP. C'est pour qu'ils aient la sécurité sociale. On ne peut pas travailler et ne pas cotiser pour que demain, quand on est retraité, qu'on devienne n'importe quoi. Aujourd'hui, le président Tshisekedi se bat. Après la gratuité de la maternité, il faut que nous puissions rendre les soins de santé gratuits pour des personnes de troisième âge. Il y a de nos papas qui font l'AVC ici parce qu'ils n'ont pas eu le moyen même d'aller contrôler la tension ou le taux de glycémie. Il faut que c'est ça ce que Tshisekedi propose. Katumbi a dit que dès qu'il sera élu président de la République, parmi les premières mesures qu'il va prendre, c'est la réduction du train de vie des institutions. Mais il a aussi, par rapport à la question de l'Est du pays, il a dit qu'il ne sera pas un président qui pleure chaque jour, comme c'est le cas avec Tshisekedi aujourd'hui, il va augmenter la solde des militaires. Vous pensez que l'augmentation de la solde des militaires est une condition sine qua non pour que nous gagnions la guerre contre le Rwanda? Encore une fois, je vous dis, ce sont des promesses de campagne qu'il est en train de faire. Il veut s'attirer la sympathie des militaires, des gens de l'Est, alors que tout le monde sait qu'officiellement, il soutient le Rwanda. Il soutient le Rwanda. Mais parce que, pourquoi il dit... Vous l'avez accusé de n'avoir, jamais cité Léon de Kagame. Non, je ne l'ai pas accusé. Non, je parle de vous. Mais quand je vois... Monsieur le journaliste, lorsque je vois, j'ai bien suivi ce qu'il dit. On lui pose la question. Le président Tshisekedi traite le président rwandais Paul Kagame d'Hitler. Adolf Hitler. Vous comprenez, à cause de ce qu'il fait, c'est-à-dire la guerre d'expansion. Lui, il dit non, ça ce sont des pleurs. Moi, je ne veux pas faire ces pleurs-là, moi je veux agir. Il va agir en faisant quoi? Je veux multiplier la sorte. Et il accuse même son pays d'avoir utilisé des mercenaires. Et M. Katumbi, qui a été gouverneur, qui sait très bien, plus que quiconque, qui a eu brassage, qui a eu mixage dans notre armée, et lui, qui est revenu dans ce pays ici après la mort de Moïse Laurent Désiré Kabila. Après la mort de Moïse. Oui. Sous Moïse, il ne pouvait pas être à Lubumbashi. Impossible. Pourquoi? Bon, ce n'est pas le cas de le dire, l'occasion de le dire, mais il sait. Moïse ne pouvait pas le tolérer. Il sait. Il est parmi les gens qui ont fait des choses à la Jekamine. Et vous pensez que Katumbi soutient Kagame?
Mais, le Rwanda. Mais la question du journaliste Babouvi était très claire. Il dit non, moi je ne peux pas pleurer. Le président ne pleure pas. Le président a dénoncé le complot dont le Congo est victime. Vous comprenez? Parce que Paul Kagame est le Rwanda. Bon, le Rwanda, on prend de manière générale, mais la population rwandaise n'a rien à voir avec le Congo, les Congolais. Parce que quand vous allez à Goma, il y a des Congolais qui sont à Goma là-bas, qui dorment à Gisenyi. Il y a des gens qui sont à Goma, au Rwanda, qui viennent travailler à Goma. Il y a des transactions. Les gens vivent pacifiquement. Ce sont des gens-là. Monsieur Kagame, comme tous les autres, leur idée expansionniste, comme au Congo, il y a des minerais. Nous pouvons le prendre gratuitement. Nous pouvons exploiter ce qu'il y a là-bas. Au lieu de passer par des voies normales, telles que le président l'avait proposer les voies de collaboration ou de coopération, ils veulent prendre gratuitement, mais en donnant la mort. Mais pourquoi vous dites que Katumbi soutient Kagame? Pourquoi? Mais il le soutient parce qu'aujourd'hui, il est le seul qui, au lieu de condamner ce que les autres font, il prétend négocier avec ces gens pour trouver la paix. Alors, il y a deux choses. La première, soit, s'il dit qu'il va mettre fin à la guerre en 6 mois, c'est qu'il a une intelligence avec les gens qui font la guerre. Parce qu'il sait très bien que nos militaires ne combattent pas parce que nos militaires manquent les moyens. Les militaires, les moyens, on les met à leur disposition. Mais regardez toutes ces villes-là, comment elles tombent? C'est par l'infiltration, c'est par la trahison. Absolument. Vous avez des généraux qu'eux ont mis ici dans l'armée congolaise à l'époque où lui était gouverneur. Il le sait. Tous ces généraux-là qui travaillent pour le compte de l'ennemi sont dans notre armée. Mais le président a dit, pour le moment, une telle armée ne peut pas faire la guerre. C'est impossible. Vous comprenez? Si on avait fait ce qu'eux veulent là, vous allez attaquer avec quoi? Vraiment. Vous allez attaquer avec cette armée infestée à l'intérieur? C'est comme ça que le président dit, nous avons nos jeunes gens qui sont allés là-bas, nous avons maintenant la brigade des réservistes, les gens de Ouazalendo et beaucoup d'autres jeunes, qui se sont décidés de rentrer pour aider l'armée. Avec ces gens-là, nous mettrons fin à cela. Aujourd'hui, l'autre paire de manches, c'est quoi? C'est que tous les gens qui sont derrière cette guerre-là, leur objectif, c'était de saboter le régime actuel, de l'empêcher de travailler pour qu'à la fin, ils disent qu'il n'a pas fait de bilan. Mais vous avez vu à Goma, même les Ouazalens ont laissé les armes, ils sont venus. Ils ont dit, parmi les 26 candidats, il n'y a que toi. Mais c'est normal, parce que c'est le fils du pays. Son cœur bat pour ce pays. Quand ces innocents sont massacrés à Rutshuru, dans toutes les régions de l'Est, là, quand ces gens sont tués inutilement parce qu'ils ne sont ni militaires, ni politiques, mais les gens viennent dans leur ville ou dans leur localité, sabotent les champs, tuent les bêtes, ainsi de suite, ils les font sur base de quoi? Et vous allez vous réveiller matin, vous voulez diriger les Congolais, vous dites non, non, moi là, on est en train de pleurnicher, je veux donner. Le Congo n'a pas besoin d'aller guerroyer, faire des guerres, d'expansion, nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin d'aller combattre contre Kagame. Nous devons nous battre pour le développement de notre pays. Mais pour que nous soyons en train de faire ce travail-là, il faut que nous soyons en sécurité. Alors, cette sécurité, pour la faire, nous devons avoir une armée propre à l'intérieur. Voilà pourquoi John Numbi a pleuré. Non, nous avions un accord avec Tshisekedi, mais Tshisekedi nous a déboulonnés. C'est-à-dire Tshisekedi a extrait de l'armée toutes leurs tops qu'ils avaient mis à l'intérieur. Là. Alors, Maître Charlie Tonsier, nous tendons bonnement à la fin de cette émission. L'affaire passeport zambien de Moïse Katumbi, il a répondu aussi à cette question. Et il a dit que c'est un débat de caniveau. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a eu véritablement un montage contre Katumbi dans cette affaire de passeport pour le discréditer dans l'opinion? Et que cela a échoué, tel qu'il l'a dit, parce qu'il y a eu finalement une lettre du ministère zambien de l'Intérieur qui a dit que Katumbi n'a jamais obtenu un passeport zambien. Bon, je ne sais pas, cette lettre, on l'a obtenue, qui a demandé? C'est lui qui a demandé qu'on écrive. Et il est possible qu'il ait une lettre favorable à lui. Mais le président Tshisekedi n'a que faire avec tout ça. Le président Tshisekedi a laissé aujourd'hui tous les Congolais, je parle devant tous les Congolais, le président Tshisekedi, tout le monde l'accusait, non, il veut exclure les gens pour rester seul. Il a laissé même Katumbi, dont la nationalité est douteuse. Au fait, tout cela participe à ce qu'on a toujours dit. Comment un homme
Un homme comme ça, il est sulfureux, son passé est très compliqué, on ne sait pas. Il est... Mais le président Tshisekedi a dit, pour autant qu'il est présenté devant les institutions du pays, à la CENI comme à la Cour, des documents qui font qu'il soit candidat, qu'il vienne. Et on l'a laissé. Le président Tshisekedi, c'est lui qui, pendant que Kabila, que lui est en train de vous louer aujourd'hui, l'avait banni du pays. Kabila l'a banni. L'a même considéré comme un traître, je parle devant les Congolais. Mais c'est Tshisekedi, avec son côté humain, alors que Katumbi était en train d'errer, vous voyez, il est venu à Kasumbalesa, on a mis des chars de combat. Tshisekedi, dans son cœur d'homme, a dit non, 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 on ne peut pas laisser un frère, même s'il n'est pas Congolais d'origine, mais pour autant qu'il a investi dans ce pays, pour autant qu'il est, il a été gouverneur, laissez-le revenir au pays. Et il est revenu au pays. Et il a postulé, il est là. C'est le même Tshisekedi. Ce n'est pas un autre. Mais voilà, aujourd'hui, parce qu'il est candidat, il commence à l'injurier. Partout, il dit, il fait des promesses fallacieuses. Alors que lui-même... Des promesses valium. Mais quand lui dit, je vais construire un stade, ce n'est pas une promesse. Qui a déjà vu le stade qu'il a construit? Le stade tout-puissant Mazembe. Mais mon frère, le stade tout-puissant Mazembe, c'est pour le tout-puissant Mazembe. La ville de Lupopo ne joue pas dans ce stade-là. À Lubumbashi, il n'y a pas qu'une seule équipe. C'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème de passeport... Qu'il soit rwandais, qu'il soit congolais, pour autant qu'il a été validé, nous, ça nous intéresse. Et le président Tshisekedi n'est même pas dans ce débat. Et Tshisekedi a dit le que Katumbi n'a rien fait. Et Katumbi a démontré dans cette interview-là sur RFI qu'il a fait des choses au Katanga lorsqu'il était gouverneur. C'est tout à fait normal, mais attendez. Avant que Tshisekedi n'arrive au pouvoir, est-ce qu'il y avait, il dit qu'il y avait un avion qui partait de l'Afrique du Sud qui atterrissait là-bas? Peut-être son avion à lui. À Colosie, oui, peut-être son avion. Élargi la piste là. Mais aujourd'hui où nous parlons, la piste là a été réhabilitée en 2019 sous le gouverneur Richard Mouyej, qui est vivant. Non, mais lui dit qu'il avait élargi la piste. S'il vous plaît, le premier avion là des CAA et tous les autres, je ne fais pas la publicité, les gros porteurs qui partent de Kinshasa pour atterrir à Colosie ont atterri sous le régime Tshisekedi. Les Congolais qui sont là, qui vont à Lubumbashi, ailleurs pour aller à Colosie. Qu'est-ce qu'on faisait? On va de Kinshasa, on atterrit à Lubumbashi et on prend des avions bleus là. Les petits porteurs là, les 17, 22 places, vous atterrissez à Kolwezi. Mais c'est sous Tshisekedi aujourd'hui, l'avion part de Kinshasa, il va à Kolwezi, il atterrit, va à Lubumbashi. C'est sous Tshisekedi que les avions partent de Kinshasa jusqu'à Kalemie sans passer par Lubumbashi. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Et aujourd'hui, Tshisekedi est en train de travailler pour Bouende et pour Bounia, mais bientôt aussi pour Gemena et les autres villes. Vous allez contester? Est-ce un gros porteur de CIA, je m'excuse, je vais finir par là, pour aujourd'hui aller atterrir à Tshikapa? Mais est-ce que pendant tout le temps de Kabila, on ne savait pas que les avions peuvent aller à Tshikapa? Mais maintenant qu'on va bientôt, après Oujma, on va aller là-bas, on fera une piste qui va avoir les conditions de recevoir des avions, des gros tonnages comme les Airbus, par exemple, comme ceux qu'utilise CIA. Et ça, c'était fait sous Tshisekedi. Moi, je suis désolé, bon, je comprends que c'est un monsieur qui y a certaines choses qu'on met dans sa bouche. Il parle de l'élection, il dit qu'il n'y a pas eu d'augmentation. Mais bon, en 2019... Exactement, il a dit ceci. En 2019, il avait... Écoutez, lui-même dit, en 2019, il dit, monsieur le journaliste, il n'y a pas d'augmentation des dessertes en électricité. En 2019, il y avait 17%, mais maintenant c'est 20%. Mais il y a augmentation. De 2%. Mais est-ce qu'il y a augmentation ou pas? Même si les chiffres qu'il donne sont faux. En 5 ans, 2% et demi, vous Mais les chiffres qu'il donne sont faux. Il a cité le barrage là à Kalemi, à Kolwezi. Ce barrage a été construit sous Tshisekedi. Il a construit sous Tshisekedi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres centrales qui sont en construction à travers le pays. C'est sous Tshisekedi. Il y a un rapport que l'Agence nationale des questions de l'énergie vient de publier là. Mais la desserte avoisine les 25-30%. Mais c'est vrai que les équipements sont vétustes, ainsi de suite. Par exemple, à Inga, il y a des turbines qui font changer, ça coûte des millions et des millions. Mais pendant qu'on veut travailler, par exemple, sur Inga, vous avez une guerre qui demande que les peu de dollars qu'on pouvait mettre dans ces projets-là, on doit les affecter là-bas. Pourquoi? Parce qu'on a saboté, on a voulu saboter. Pourquoi les M23, j'ai toujours posé la question, pourquoi les M23 n'a repris les hostilités qu'après la séparation FCC-CACH? Il faut que les Congolais se posent la question. Très bien. Nous sommes à la fin de cette émission. Maître Charlie Tonsi, ça a été un grand plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Vous avez le dernier mot pour conclure.
Oh, dames, messieurs, vous tous qui me suivez en ce moment, je veux vous dire que tout ce que vous écoutez, c'est un discours qui se prépare. Il y en a qui disent, j'ai suspendu ma campagne parce qu'on m'a interdit. J'ai suspendu parce que Tshisekedi, il y en a même qui ont dit, Tshisekedi a lui seul pris les carburants des avions, nos tout avions ne peuvent pas voler. Vous allez louer un jet en Afrique du Sud. Et ce jet-là ne peut pas prendre les carburants parce que Tshisekedi, dans l'entretemps, a fait des réservoirs chez lui là-bas, dans sa résidence, pour garder tous les carburants. Même les coqs peuvent rire. Donc, le Congolais, le 20 décembre, vous n'avez qu'un seul numéro à voter, c'est le numéro 20. Parce qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi vous dit, nous avons l'expérience de ces 5 dernières années. Il y a beaucoup de choses que nous aurions dû faire, nous n'avons pas eu à les faire parce que vous connaissez. Et en 2024, nous allons démarrer les développements. Ayez la fierté de vous sentir congolais. Ne soyez pas appelés, manipulés par des discours, des gens qui sont grincheux, et ainsi de suite, dont on a vu à l'œuvre. Vendre les makala, empêcher les autres de faire ce qu'ils peuvent faire pour leur propre intérêt. Mais aujourd'hui, nous demandons aux Congolais l'emploi, la réduction des traits de vie de l'État dont ils parlent. C'est le deuxième engagement du chef de l'État en ce qui concerne pour préserver notre prix d'achat. Nous allons harmoniser la rémunération, nous allons réduire les traits de vie de l'État, nous allons plafonner les dépenses des institutions, nous allons diversifier notre économie, nous allons la rendre compétitive, nous allons permettre aux Congolais de pouvoir accéder aux services sociaux de base. L'état civil, la justice, ce sont des services de base. Il faut améliorer ces services pour permettre aux Congolais. Donc pour avoir tout ça, et le 145 territoires, la diversification de nos villes, la transformation agricole pour permettre aux Congolais de commencer à donner la plus-value à ce qu'ils ont ici et créer des emplois pour nos enfants, je crois que c'est le seul programme que Tshisekedi vous propose qui est valable. Tout le reste là, c'est des chimères. C'est quelqu'un qui vient, je veux construire un stade. Il n'a pas fait d'études de faisabilité. On va même le faire où, on ne sait pas. Donc ce sont des promesses fallacieuses que lui fait là. Votez pour le président Tshisekedi, le candidat numéro 20. Au Moamba, n'oubliez pas. En tout cas, le défenseur du peuple, il est là. On appelle le winner, le numéro 21. C'est l'attaquant de pointe de base. Nous sommes là, Kisensu, Matete, Ngaba, Lemba et Limité. Nous serons là à défendre ce que je suis en train de dire. L'emploi, la réduction des traits de vie de l'État, l'accès des personnes de troisième âge aux soins de santé gratuits, la gratuité de la maternité et de l'enseignement. Tout ça, tout ce qui se trouve dans la vie sociale du peuple congolais et surtout l'assainissement de la ville. C'est le combat que nous allons mener à l'Assemblée nationale. Faites-nous confiance, donnez-nous vos voix, vous ne serez pas déçus. Je répète le numéro à voter, c'est le 20 à la présidentielle et 21 à la députation nationale Moamba. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Charlie Tonsi, cadre de l'UDPS. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Restez penchés sur votre chaîne. Nous allons nous retrouver très très prochainement dans un autre numéro de votre magazine, Les Débats Congolais.